Une haie de déshonneur pour accueillir les aficionados venus assister à la corrida de novillos de la feria de Riom. Hier après-midi, après avoir fait le tour de la ville, une soixantaine d'anti-corridas ont joué les troubles faits à quelques encablures de l'entrée de la feria. Les aficionados n'ont pas rebroussé chemin. Bien au contraire. Il y a des gens qui sont vraiment sectaires, des autres, c'est une manifestation qui est sympa. Pour moi, ce sont les mêmes qui sont anti-tout, alors. Et je les comprends un peu, parce que personnellement, la mise à mort, on n'aime pas ça. Mais après, c'est un spectacle, c'est quelque chose de beau à voir. Cette année, le mouvement anti-corrida a été rejoint par une délégation d'un parti politique, Europe Écologie Les Verts. Ils soutiennent l'éventuel référendum communal. J'invite instamment les politiques, le maire et toute son équipe à Riom, à organiser ce référendum auprès de la population. Je pense ça tout à fait normal. Il faut savoir qu'une précédente municipalité de Riom a voulu nous interdire la corrida. Que nous sommes allés au tribunal administratif, que nous avons gagné, qu'il y a une jurisprudence là-dessus et qu'on ne juge pas deux fois la même chose. Moi, je suis pour que ceux qui ne sont pas passionnés par cet art le manifestent, ça ne me pose aucun problème. Mais je suis aussi pour vivre la liberté, quoi. En attendant, et grâce au beau temps, les organisateurs ont comptabilisé 10 000 personnes sur le campo pour cette 13e édition. Les 2500 places des arènes ont fait le plein.